Mes amis, on est de retour et pour un autre cours. Un cours côté que nous parlerons des bagailles nouvelles, de l'autre bagaille que nous pas courons. Eh bien, dans le cours, dernièrement, nous avons comment rechercher un mot dans un texte et nous avons tout comment remplacer un mot dans un texte. Pour rappel ou en guise de rappel, pour rechercher un mot dans un texte, on clique sur le menu Edit, puis Find, Edit et Find. Et dans la partie case, dans la case What, dans la case Find What, dans la case Find What, on écrit ou on dactylographie le mot à rechercher. Prenons par exemple, si je sais que dans mon texte, il y a enregistré et j'aimerais rechercher enregistré. Je dactylographie enregistré. Et après quoi, je clique sur Find Next. Voilà. Lui sélectionner, le montrer mon côté Moai. Donc, c'est pour rechercher. Et maintenant, si je veux remplacer un mot dans un texte, c'est toujours le même menu. C'est le menu Edit, puis Find. Et dans la case Find What, dans la case Find What, pour rechercher, alors pour remplacer, c'est toujours Edit puis Replace. Pour rechercher, c'est Find, mais pour remplacer, c'est Replace. Eh bien, dans la case Find What, j'écris le mot à rechercher, c'est-à-dire le mot qui est dans le texte que je voulais chercher pour retirer. On prend par exemple, moi je voulais retirer Document. On écrit Document, c'est dans le texte. Moi je voulais remplacer le par un autre. Eh bien, je voulais remplacer le par exemple par Desktop. Desktop. Eh bien, dans la case Firewall, je vais mettre le mot, je vais remplacer, je vais retirer. Et dans la case Replace with, je vais mettre le mot, je vais mettre en place. On prend par exemple, je dis Replace All. Voilà, ouais. Mais moi, li remplacer. Voilà, moi, remplacer. Nous avons un document là. Eh bien, li remplacer. Eh bien, après, on continue. Eh bien, qui est exactement que nous allons aujourd'hui? Nous avons juste fait un rappel. Mais, qu'on va aller là, c'est comment que moi capable copier un mot, un paragraphe, une phrase pour mal mettre l'autre côté. Je vais montrer différentes manières que je suis capable de sélectionner un mot ou bien pour copier un mot pour mal mettre l'autre côté. Eh bien, on regarde là. Nous avons là homme. Pour les bagages que je dois faire, si je copie un mot, je vais sélectionner. Pour me sélectionner, je vais montrer une seule façon, mais je vais montrer deux manières que je vais sélectionner. Pour la façon que je sélectionne, je clique au commencement, et puis je clique là, et puis je marche souris sur ça. Je sélectionne. Deuxième manière, je fais avec clavier ça pour être capable. Je clique là, je marche ça sur lui, et je dois sélectionner. Mais pour me faire encore, comme l'autre façon de faire, je clique au commencement. Si je clique au commencement, je presse Shift. L'infini presse chiffre, m'a marché avec flèche ça. Flèche de direction vers la droite là. Parce que je clique à gauche, et bien m'a cliqué vers la droite. Voilà. M'a mis chiffre là, ouais. Je clique sur chiffre. Et moi, marché comme ça. Ouais. Je clique chiffre là. Et marché. Donc, je sélectionne. Si je clique à la fin, si je clique à la fin, je clique à la fin et puis je baisse chiffre, m'a pris la flèche de direction vers la droite là. Ouais. OK. Donc moi capable de sélectionner moi et dès que moi fin sélectionner, moi retirer. Donc ça c'est premier à cette deuxième manière que me ca sélectionner. Première façon c'est cliquer au commencement et puis marcher souris sur lui. Deuxième manière c'est cliquer au commencement ou bien à la fin et moi peser shift, me quitter droite moi sur shift là sur clavier et puis moi peser flèche de direction. Mais ni me sélectionner. OK? Donc c'est comme ça me capable de sélectionner. Ça c'est une autre façon que je vais sélectionner. Bon, moi, j'ai une autre façon que je vais sélectionner. Je vais cliquer sur moi directement, faire deux clics sur lui. Tap, tap. Ouais. Dès que je fais deux clics sur moi, je vais sélectionner. On garde pour. Ouais. De sélectionner. On garde technologie. Ouais. Donc, ouais, tant que je n'ai pas avancé dans le cours, il y a une plus facile. Moi, j'ai une petite technique qui est plus facile que montrer parce que, Kounia, vous êtes un gros étudiant. Eh bien, c'est ça, oui. Avec CTIA,
ce sera une nouvelle génération de professionnels. Fait du olé. Parce que l'école nous en bon et professeur nous qui c'est Semius, eh bien, li bon, l'ap mène nous jusqu'au bout et n'ap pour que n'ap de moun qui très très performant. Pas hésiter à poser question. Nous tout kon WhatsApp moi, sou pas kon WhatsApp moi, ou après WhatsApp moi, m pral mete li gen sou ça là nan plateforme nan ou après. Eh bien, on allez. Maintenant, m te dit que nous pral apprendre copier un mot pour nous coller l'autre côté. On va le faire en première manière. Première manière là, m'a sélectionné moi. Me sélectionner moi n'importe façon té wè yo. Et l'aime fin sélectionner mot ça, m pralé kounya nan edit. M'a aller nan edit, m'dit copy. Copy? Ouais, copy. Depuis me fait copier là, li copier. Kounya m pralé nan espace que m'vle mettre là. Si par exemple m'vle mettre là, moi cliquer dans espace que me mettre là et puis me fait espace. Là me fait espace là pour que ça me fait espace là, c'est pour me capable séparer moi pour pas coller avec l'autre moi. Moi mettre là et puis me fait espace. Ouais, il séparer. Maintenant, m'aller encore dans edit et puis me fait paste. Est-ce que ne pas moi coller là? Ouais, donc nous ouais, comment me copier un mot dans un autre mot, dans place un autre mot. Dis pour me copier un mot dans place un autre mot. Allez, non, je sélectionne moi d'abord. Par exemple, je sélectionne CTA. Je sélectionne CTA, je vais dans Edit. Et lorsque je vais dans Edit, je clique sur Copy. Copy, et je vais dans l'espace que je vais mettre là. Et je vais montrer nos souriants là, regardez pour nous. Mes souriants, je fais espace. Et je vais dans Edit. Et je clique sur Paste. On regarde pour nous. Mes mots CTA, mais là. Ouais, CTA. Li copier. Donc ça c'est première manière que ou capable copier. On regarde en deuxième manière non. Pratiquer première manière ça, c'est sélectionner moi d'abord, edit et puis copie, aller dans espace qu'on va mettre là, faire espace, après aller dans edit et puis paste et moi li coller. Ouais. Donc c'est pas difficile, c'est très facile avec CTA. Maintenant, qui deuxième manière? Deuxième manière, il faut toujours sélectionner. Dans toute manière, je vais toujours sélectionner. Je vais sélectionner, par exemple, Moussa là. Je vais sélectionner Moussa. Je vais sélectionner Moussa. En garde, je vais sélectionner Moussa là. Et puis, sous clavier, je vais combiner touche CTRL-C. Tout ce CTRL-C, c'est ça. Et puis, Meni, plus C. Ouais, c'est CTRL plus C. Je copie là. Et puis, quand je vais dans l'espace que je voulais mettre là, dans le côté que je mettre là, et puis, je vais peser la barre d'espace là sur le clavier. Hein? Et puis, je fais CTRL V. Meni. Ouais. Donc, CTRL C pour me copier et CTRL V pour me coller. Donc, là, je finis de copier, je vais mettre dans l'espace que moi-même, moi, je mettre. Pour me mettre dans l'espace que je devais mettre. Donc, nous avons trois manières que je suis capable de copier. Donc, nous avons deux manières que je suis capable de copier. Première manière, là, c'est Edit et puis Copy. Je clique dans l'espace que je voulais mettre là. Je aller dans Edit encore Paste. Eh bien, ça, c'est façon que moi ka copier. Deuxième manière là, nous est deuxième manière là que moi ka copier, c'est sélectionner moi et puis CTRL C qui c'est copier. Qui c'est copier. Deuxième manière là, c'est aller kounya dans espace que je voulais mettre là et moi cliquer sur moi faire CTRL C. Moi faire CTRL C pour copier et CTRL V pour ou capable coller. Donc pas oublier ou à suivre cours ça aussi grâce avec CTA qui c'est Centro Tecnología de las Américas. Quand soit côté ou à suivre cours, invitez l'autre ami ou à les suivre. Donc nous avons deux manières que capable copier un mot et coller l'un l'autre côté. Et bien nous parlons deuxième, troisième manière que capable copier un mot et pour moins coller mot ça un l'autre côté. Et bien qui gens que nous allons faire pour capable copier un mot coller de l'autre côté. Eh bien, m'a sélectionné moi, on regarde. Voilà, m'a prend clavier, hein, m'a mis clavier pour nous là. Et nous prenons
sélectionner moi. Moi sélectionner moi ça, par exemple sélectionner homme et l'aime fin sélectionner homme, m'a font clic droit sur lui. Donc clic droit, me font clic droit et puis copie et me prend l'espace que me veut mettre là par exemple là et puis me fait espace, moi fait clic droit dans espace ou bien dans côté me veut mettre là et me fait paste. Paste qui s'est collé. Voilà, nous voyons que moi li collé. Donc telle est l'informatique grâce à CTA. Et avec CTA, ce sera une nouvelle génération de professionnels. Eh bien, là, nous trouvons trois manières que nous sommes capables de copier, coller un mot dans un texte. Eh bien, dans la prochaine vidéo, dans le prochain cours, nous allons regarder que nous sommes capables de faire l'autre bagaille. Eh bien, merci ou même qui t'a suivi, Koussa, et M. Tekoua, l'ité pléo. Pour un rappel, nous souhaitons copier et coller. Pour me copier, on a différentes manières que nous souhaitons. Première manière, c'est sélectionner moi d'abord et puis aller dans Edit, Copy. Et là, je vais copier dans l'espace que je vais mettre dans ma feuille, Paste. Et deuxième manière, c'est sélectionner moi, faire Ctrl C qui s'est copié. Aller côté que je vais mettre là, Ctrl V qui s'est collé. Troisième manière, c'est copier moi. Et puis, moi sélectionner moi d'abord, et puis font clic droit sur lui, et clic droit dans le menu contextuel là, moi choisir copie, et aller dans le même espace que je voulais, l'autre espace que je voulais mettre, et font clic droit dans l'espace là, sélectionner, font clic droit, et dans le menu contextuel là, moi choisir paste. Merci vous-même qui t'avez suivi ça, et nous bah au rendez-vous. Pour un autre coup. Et dans l'autre coup, que nous avons pour nous voir comment que moi qu'à déplacer un mot à mettre l'un l'autre côté, si qui est différent de santé ou à l'heure qui sera remplacé un mot, ça lui-même c'est cut and space que nous avons pour nous voir dans le prochain cours. Eh bien, pas hésiter, inviter l'autre amour, participer et pour plus monde qu'à connaître informatique à travers tout pays parce que devise nous c'est montrer tout monde informatique. Merci.